Aujourd'hui est un jour très spécial. Normalement, je te fais visiter des endroits un peu partout autour du globe. En plein cœur du Japon, au milieu des Alpes suisses, sur le bord de l'océan dans les Bermudes, au sommet de l'Europe occidentale ou encore dans les fjords de la Norvège. Je t'amène découvrir avec moi des pays qui me sont jusqu'alors inconnus. Mais aujourd'hui, je vais te faire découvrir un joyau de mon pays. Oui, je sais. J'ai déjà fait découvrir mon pays en le traversant en voiture jusque dans les Rocheuses. Mais aujourd'hui, on va encore plus près de chez moi. Partons à l'aventure dans l'une des plus belles régions du Québec, la Gaspésie. Le nom de Gaspésie provient de Gaspé, signifiant « fin des terres » dans la langue des Algonquins, peuple d'origine de la région, avant que les Européens n'y débarquent un peuple après l'autre. Et en effet, en regardant sur la carte, on peut bien constater que le territoire est entouré d'eau et que la ville de Gaspé se trouve tout juste à la pointe. On y retrouve d'un côté la baie des Chaleurs, puis le golfe du Saint-Laurent et le fleuve du même nom qui y découle, dans lequel on peut y observer les plus beaux couchers de soleil au monde. Du moins, parmi les endroits que j'ai visités. J'y suis allé plusieurs fois enfant. Mes parents avaient pour habitude de prendre des vacances dans le village de Mont-Saint-Pierre. Mais cette fois-ci, j'y suis allé avec ma douce moitié et un couple d'amis pour faire le tour entier de la Gaspésie. Oh, j'allais oublier. Pookie nous a aussi accompagnés. La Gaspésie est très grande. Sa taille est comparable à celle de l'Israël, mais avec à peine 1% de sa population. Si on veut retrouver un pays avec une population similaire, il faut se tourner vers le plus petit pays d'Afrique, la République des Seychelles. Mais ce pays est 45 fois plus petit que la Gaspésie. T'as compris où je voulais en venir? Il n'y a pas grand monde au kilomètre carré. Ce qui laisse beaucoup, beaucoup de place à la beauté de la nature. On y retrouve énormément de montagnes, car la Gaspésie se trouve en plein cœur du corridor des Appalaches. On a fait le tour en voiture, mais si tu cherches un bel endroit à visiter à vélo et que t'as pas peur de circuler sur le bord de l'accotement des grandes routes, ce coin du monde est sans aucun doute un endroit de rêve pour le cyclotourisme. En longeant le fleuve, tu auras l'impression d'être sur le bord de la mer comme il est tellement large et qu'on ne voit pas de l'autre côté. Tu trouveras plein d'endroits idéaux pour faire des escales et observer les gros bateaux, descendre sur le bord de la plage, lancer des roches à l'eau, regarder les goélands faire des plongeons de très haut pour pêcher leur repas. Ah oui, ce qui me fait penser que si tu aimes les produits de la mer, tu ne pourras jamais trouver plus frais qu'en Gaspésie. Plusieurs petits commerces vendent leurs pêches du jour. Truites, saumons, crabes, homards. D'autres plus spécialisés font aussi des rillettes. Ne rate surtout pas ça. Tu trouveras aussi, si t'es attentif, des sentiers sur le bord des falaises. La route de la Gaspésie est aussi parsemée de vestiges tous plus intéressants les uns que les autres. Le soir, pourquoi pas un feu au bord de la plage? On s'est joint à celui-ci qui venait d'être allumé par un autre groupe. Le plus gros feu de camp que j'ai vu de ma vie. C'était génial. La Gaspésie, c'est l'endroit idéal pour relaxer entre amis et se décompresser du rythme effréné de la ville. La simplicité des bâtiments, la chaleur des habitants, le décor enchanteur, la faune, l'absence de technologie. On se sent quelques décennies en arrière et par le fait même, tout est zen. Il faut dire que ce rythme n'est plus propre à la Haute Gaspésie. Plusieurs villages semblent abandonnés, alors il ne reste plus comme activité qu'à regarder les oiseaux au loin, les vagues sur le bord de la plage, trouver les roches les plus plates et tenter de faire le plus de bon possible. Ou simplement marcher dans un village et trouver une portée de bébé chat, ou s'évader dans un sentier en montagne.
Nous nous sommes aussi aventurés dans les sentiers du Cap Bonhomie et du bout du monde, dans le parc national Forion. Je laisse les images s'exprimer à ma place. Nous arrivons finalement à l'emblème même de la Gaspésie, le fameux rocher percé. Un énorme caillou en forme de cheval qui boit dans l'eau, qui sert de perchoir à oiseaux. Qui d'autre pourrait s'aventurer au sommet? L'îlot est entouré de falaises. Mais ces images ne rendent pas justice à l'immensité du rocher percé. Savais-tu qu'il faisait 433 mètres de long et 88 mètres de haut à son point culminant? C'est presque la hauteur de la Statue de la Liberté. Pour se rendre compte à quel point le rocher est gigantesque, il faut marcher jusqu'à sa base. De là, il n'y a aucun doute, son énormité est vraiment impressionnante. La ville de Percé, tant qu'à elle, est probablement la plus touristique de la région. Il est difficile de ne pas le remarquer en voyant l'achalandage au centre-ville. De l'autre côté, il y a aussi une montagne avec des dizaines de kilomètres de sentiers à parcourir, avec des chutes, des grottes, des balcons donnant une vue sur le rocher, et le plus impressionnant, la forêt magique. Une forêt où tous les arbres poussent étrangement. On se croirait presque dans un autre monde. On s'est finalement dirigé vers la baie des Chaleurs, la région la plus habitée, car comme son nom l'indique, le climat y est plus favorable. Mais je n'y ai pas pris beaucoup d'images car la région est, disons, géographiquement moins impressionnante. Cependant, c'est l'endroit où l'on peut faire le plus d'activités, comme un tour de kayak en rivière. Mais ce ne fut pas une expérience très agréable. Comme on peut le voir, le niveau d'eau était tellement bas que l'activité aurait dû être annulée. On a dû marcher dans la rivière en tirant le kayak une bonne partie du trajet. Enfin bref, peu importe où tu te trouves dans le monde, la Gaspésie est un endroit que tu dois visiter avant de mourir. Tu ne le regretteras pas, c'est garanti. Prends le temps de t'y reposer, de l'admirer et de t'y aventurer jusqu'au fond de ses plus petits sentiers. Tu resteras surpris de tout ce que tu peux y trouver. Amuse-toi bien! Thank you.
Merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que tu as apprécié. Si oui, tu peux me faire un pouce en l'air. Si ce n'est pas déjà fait, joins-toi à moi en t'abonnant à ma chaîne. Tu peux faire apparaître le bouton en cliquant sur mon visage juste en dessous. Puis n'oublie pas d'appuyer sur la petite cloche juste à côté. Comme ça, tu vas être avisé à chacune de mes nouvelles publications. Tu peux aussi venir me visiter directement sur mon site web, pascalmarquis.com. Pour encore plus de contenu, abonne-toi à ma liste de courriels personnels. Le lien est disponible dans la description. En attendant ma prochaine publication, v'là d'autres vidéos que tu n'as peut-être pas encore vues. Bonne écoute. Salut!